toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Resident Evil 4 Remake pour la suite de notre aventure. On venait donc d'être séparés de Ashley. On retourne à sa recherche. On va suivre ce chemin, c'est le seul où on a accès. Merci pour les munitions. Donc voyons voir comment ça se présente. Il y a du monde. C'est quoi ce délire? C'est dégueulasse. Ok, là c'est fermé. Remet la flamme écarlate. La voix de la peste réside dans les flammes guidant les âmes misérables vers le salut. Remets la flamme écarlate à sa place, ainsi tu seras éclairé et le chemin sera révélé. D'accord, il faut mettre un flambeau. Gloire à las plagas. On va essayer de se faufiler. Faites comme si j'étais pas là. Je sais pas si vous avez vu, il y a un fil au niveau du lustre. Allez, ça dégage. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allez. Allez. Dégage.
Stop pas ça, non. Au devant. C'est chaud. Lanterne écarlate, super. En vrai, je suis en train de claquer toutes mes balles. Donc on va faire un truc. Allez, ça dégage. Miroir avec perles et rubis. Ok, ça fait plaisir. Par contre, on est à sec. Il n'y a pas d'autre trésor. Le jeu devient de plus en plus dur. Lanterne écarlate, une lanterne qui brûle d'une flamme rouge. Allez, super. Donc là, c'est où on était. Maintenant, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Ah, il faut être deux. D'accord. Une alexandrite. Ça vaut pas mal d'argent. Je te conseille de ne pas bouger, Léon. Ce serait bête d'utiliser ça. Pas vrai ? Eh ben, après 6 ans, j'aurais espéré un meilleur accueil. Ada. T'as pas l'air surpris. Intéressant. Et c'est le couteau la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes. Alors tu travailles pour qui cette fois ?
Oh, Léon. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Laisse la fille. Il est trop tard pour elle. Va-t'en maintenant. Et qui sait? Avec un peu de chance, on se reverra. Et tu auras peut-être l'accueil que tu espérais. Tu crois que je vais abandonner si facilement? Je vois. Et si on continuait cette discussion une autre fois? Eh ben, si je m'attendais à ça. Donc, on vient de rencontrer Ada pour la première fois. Alors, on est où exactement? Atelier de reliure. Et il y a 3 trésors. Une horloge luxueuse. Une pierre lithographique B. D'accord. Un tiroir verrouillé. Un jeton d'argent. Une autre pierre. Encore une autre. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Ah, d'accord. Une pierre calcaire utilisée pour faire des lithographies. Alors, comment ça marche? Je viens de comprendre. Il faut mettre la bonne pierre par couleur, forme et symbole. Ok, lui il est mort. Illuminados 3.2. Entendez le signal résonner dans les montagnes. Les rochers deviennent gravier et les murs du château s'écroulent. Contemplez la teinte cramoisie du ciel nocturne. Une rivière de sang impur souille la mer. Sacrifiez votre vie et le sang de vos ennemis. Expiez vos péchés passés. D'accord. Il n'y a pas de trésor ici. Il se passe un truc là-bas. Oh, bordel. Est-ce que c'était une araignée? Ok, c'est écroulé. On est en sécurité pour le moment. Une petite clé. On va en profiter pour récupérer ce qu'il y a là. On évitera de revenir ainsi. Une montre à gousset. Alors, voyons voir. Oh non. Putain. Foutez-moi la paix. Allez, ça dégage. Ah, j'aime pas ça. Je déteste les araignées. Ok, ici il n'y a rien. Il y a un marchand. Ah, n'oublie pas, oui. Qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. On a cette horloge qu'on peut sertir, donc je vais y mettre 2 pierres qui valent assez cher. Et on va pouvoir la vendre 20 900, c'est plutôt pas mal. On a un bleu velours, un miroir à 10 000 et une montre à gousset à 8 000. Donc j'en profite pour réparer mon couteau, réparer le pare-balles et le reste je l'investis dans le sniper. Et c'est ça pour voir. Accessoirement il me reste 19 000 donc je vais acheter de la ferraille comme ça je pourrais crafter des balles. C'est tout ce que j'ai. Tu fais des réserves.
Elle a dit qu'elle voulait pas te revoir. Eh bien, tant mieux. Au moins, je n'ai plus besoin de me montrer magnanime. Nous allons enfin jouer selon les règles de la famille Salazar. Donc, dès que je vais tirer là-dessus, ça va partir en couille. Ils ont pas l'air de vouloir me tirer dessus. Bon, mais tant mieux. Ok, je l'ai scotché l'araignée. Tu sais quoi, il me reste une balle tant qu'on y est. Allez, go! On est bon. Il y a quelque chose là-haut. Oula. Foutez-moi la paix. Ok, ça vire. Ça fait quoi ça? Bah attends, j'ai entendu une araignée. Eh merde. Il va devoir faire le tour. Allez, ça, ça dégage. Ok, mort. Donc là, j'imagine qu'on peut ouvrir. Oui. Donc en fait, sans le vouloir, ça a ouvert la porte ici. Donc on va pouvoir continuer. Putain. Allez, ça bouge. Il y a un trésor juste là. Allez, ciao. Un colis orné. Ah, merci pour les balles. Ça fait plaisir. Il y a du peuple.
Merde. Ok, il est mort. C'est chaud. Merci. Ensuite. T'es pas sérieux. Vous commencez vraiment à me faire chier en moi comme ça. Merde. Bah voilà. Qu'ils peuvent pas venir. Je sais même pas où je vais n'importe où, je cours dans tous les sens. Ah, il y a un trésor juste en dessous. Ok, on va essayer de descendre pour voir. Par contre, c'est pratique, le monstre il tue les ennemis, c'est pas mal. Wouah, attendu. Il est où le trésor? Là. Yes. Un canon. J'espère qu'il marche. Il me faut une clé, j'en ai pas. Ok, ça s'avère. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a monté la plateforme. Il y a quoi sur cette plateforme? J'ai même pas fait attention. Un canon. D'accord, j'ai compris. On va déglinguer le monstre avec ça. Ah.
c'est parti. Allez. Adios, espèce d'enfoiré. Ah, d'accord. Enfin, munitions de pistolet, pareil. Désolé, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Putain. C'était tendu. Il nous reste 4 balles de sniper et 2 chargeurs de pistolet avec une grenade. Et on arrive sur les jardins. Où est-ce que t'es ? J'espère que c'est pas tout de suite que je vais traverser les jardins. Un jeton d'or. C'est Ashley. C'est normal d'avoir peur. Mais tu peux pas fuir. Tu dois avancer. On va vaincre ce truc. Ensemble. Je sais pas si j'en ai la force. Mais si. Par contre, préviens-moi la prochaine fois que tu veux me poignarder, d'accord ? Léon... Merci. Ok, fin du chapitre. 52 minutes, 57 ennemis tués, 0 mort, 76% de précision et 12 attaques subies. Louis, t'es où ? Désolé, j'ai merdé. Viens me sauver, prince charmant. Tu sais ce qu'il te dit, le prince charmant ? C'est bon, je suis dans la salle de bal après la cour. Sois pas en retard pour la danse. C'est quoi ce mec ? Il a des ennuis, on va pas le laisser tomber. Il trouve toujours le moyen de s'attirer des ennuis. Alors, voyons voir. On est dans la chambre, il n'y a pas de trésor. Dans la version originale, il y avait le marchand juste ici. Ok, là c'est d'où on vient. Et passer le jardin avant de terminer l'épisode. Donc on va le faire. Je sens que ça va être chaud, mais bon. Après, ils sont sympas, ils ont mis une sauvegarde à côté. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non.
D'accord, là c'est où on était tout à l'heure, c'est là-bas que j'ai pêché à la fin du dernier épisode. Donc ça se présente comment? Eux ils appellent ça la cour, moi j'appelle ça le jardin. Oui, je peux aller à gauche, on va aller voir ça. On va prendre le pompe. Donc laisse-moi deviner, il y a une tour là. Ok, c'est bien ça. Regarde, le drapeau est déployé. Il faut donc qu'on aille aux deux prochaines tours. Ah, il y a une herbe jaune que j'ai ratée. Je vais aller la chercher. Ok, j'ai récupéré l'herbe jaune, donc le chemin est le suivant, tout droit, à gauche, puis à gauche. Allez, coucher. Un spray de premier secours. Et il y a une statuette. Mais je crois que j'en ai déjà manqué dans le village. Donc ça changera pas grand chose. Grenade lourde. Ah, on peut pas monter par là? D'accord, il faut faire le tour. Allez, quand faut y aller. Il est mort l'autre? Allez, ça vire. Allez, je vais ouvrir ça là-haut. Deux sur trois. Ok, et là je sens que ça va partir en couille. On va enfin pouvoir sortir de ce labyrinthe. Oula, parle pas trop vite toi, parle pas trop vite. Si je saute, j'atterris en bas et je serai pas à côté d'Ashley. Je vais te sauver.
que ça va? Ouais. Ok. Un couteau de botte. Il y a un marchand, donc ça devrait aller. Une grande ferraille. La salle de bal doit pas être loin. Il y a un trésor juste là. Ok, là c'est fermé. Ah bah il est là. Une alexandrite. Je pense qu'on s'aventurera là-bas par la suite. Pour l'instant, on va aller voir le marchand. J'ai quelques nouveautés en stock. Viens y jeter un œil. Ah, il y a un stand de tir. Alors attends, on va sauvegarder. Destruction des médaillons 4. Ces médaillons bleus sont une tare et je veux qu'ils disparaissent. Montrons-leur que nous n'avons pas peur et que nous ne pouvons pas tolérer cela. Détruire tous les médaillons bleus dans le grand hall contre 5 spinels et il y en a 6. Ok, ça devrait aller. Ensuite, astuce du marchand, nouvelle amélioration. Bonne nouvelle l'ami, je viens de mettre la main sur des outils de haute qualité. Grâce à eux, je peux procéder à de nouvelles améliorations sur tes armes pour les faire chanter encore plus fort. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Si jamais ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Donc, un échiquier à 13 000, un calice à 35 000, un collier orné à 46 000... Ce qui nous fait un total de 94 000. Donc on peut voir qu'il y a maintenant 5 niveaux d'amélioration par arme. Pareil sur le pistolet, le fusil, le sniper, l'automatique. Et donc on va les améliorer. Il a également une nouvelle extension qu'on peut acheter. Donc je vais voir ça après le stand de tir. Ok, de nouvelles épreuves. On va les tester. On va faire comme la dernière fois. On va faire un de chaque ensemble. Et après je vais les tryhard. Donc ceci, c'était les premières qu'on a fait. Maintenant, on a celle-ci, TMP. Allez, voyons voir. Ok, un rang C, c'est pas très beau, mais bon, c'était juste pour essayer. Je sais que tu peux faire mieux. On va tenter la seconde 3, au fusil anti-émeute. 2, 1, allez, tout double. Ouais, fantastique. Tout triple. Recharge. Rang S direct, c'est vrai qu'il était plutôt facile celui-là. Et le dernier au TMP et fusil anti-émeute. D'un coup,
Allez. Ouais, j'ai rechargé quand il fallait pas. Ok, un petit rang A, c'est pas dégueulasse, mais on peut faire mieux. T'es bien installé toi, dis-moi. Donc je vais tryhard les deux épreuves qui restent et on se retrouve juste après. Je viens d'avoir les rangs S pour les trois épreuves, malheureusement il y a deux épreuves où je n'ai pas eu le 100% sur les jetons en tête de mort. Mais le problème c'est que la TMP elle est pas assez précise, donc en fait ça relève plus de la chance que du skill. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, la prochaine fois on ira retrouver Louis dans la salle de bal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à demain, portez-vous bien. Bye bye.